travail jour et nuit. Chaque jour, nous ne prenons pas souffle, nous ne prenons pas pause, que le samedi, que le dimanche, que le lundi, que le mardi, nous travaillons pour nous résoudre le problème peuple haïtien quand ce qui a trait à la crise de carburant qui empêchait la libre circulation des personnes et des biens et qui a des conséquences fatales si nous ne résoudons pas. Malheureusement, Jean Bagayou vient évoluer. Il y a des gens qui entrent là-dedans, qui ont manipulé, qui ont profité pour faire beurre et qui viennent compliquer la situation, qui viennent dépasser un simple problème de grand banditisme. Donc, nous voulons rassurer le peuple, hein, parce que il y a beaucoup de résultats. Pour qu'on ait un niveau satisfaisant dans le but que nous avons cherché, mais nous devons faire connaître que nous avons travaillé jour et nuit pour nous apporter une solution ça que nous pensons et espérer qu'il ne prend pas trop de temps. Je vais céder la parole à la ministre de la Défense qui a fait un commentaire et puis après pour l'autre participant au parler. Merci. Merci, ministre, collègue. Moi, c'est Enol Joseph, moi, c'est ministre de la Défense. Et je m'a salué la presse qu'il a, presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne. Je vous dis tout le monde bonsoir. Et merci que nous puissions transmettre le message du gouvernement à la population. Et comme dit nous, et Jean, ministre intérieur et justice, a ce dit là, depuis la crise carburant, ça déclaré, le gouvernement sans prendre souffle. Nous avons réuni matin, midi, soir. Nous n'avons pas un jour pour nous faire. Et moi-même, je parle à la vol. Nous faisons partie d'un comité de crise. Le comité de crise ça, a travaillé sous problème carburant ça, depuis Joussaïo Nabdoula, depuis jour il était déclaré. Et nous rappelons, le premier jour, ça a été passé à une affaire de grève. Grève des transporteurs. Et il y a des gens qui disent que c'est des grèves des chauffeurs. Moi-même, personnellement, dans le but pour nous être capables de résoudre la crise, ça, problème, ça, nous avons rencontré à une association chauffeurs qui était une note qui était sortie, qui était dit le pape travaille encore. Et nous avons rencontré avec eux dans le local, nous, pour nous expliquer aux situations. Hein, qui problème, crise, ça, carburant, ça a gagné. Moi-même, je suis médecin de formation sous population. Moun ka mouri nan peyi a, l'hôpital ki pa ka fonctionne, service yo pa ka jwen nan administration publique la, nan bank yo, nan tout côté yo, et gon nécessité pour tout moun mette tête yo ensemble pour nous résoudre problème carburant ça. Et nous te essayé, c'est vrai, l'anjou sa m'te accompagné avec des faits chercher et responsable BMPAD là qui gon responsabilité pour l'acheter gaz, pour le commander gaz. Il était là avec nous et nous avons essayé de convaincre les chauffeurs qui étaient en grève pour lever la grève là. Et ils ont pris disposition de lever la grève là, ils ont chita avec le responsable de la compagnie et pour dire nous, il y a travail, c'est un samedi, ça fait presque 22 jours, il y a travail un lundi. Nous prenons disposition, depuis un dimanche même, la police, nous-mêmes dans l'armée, nous prenons disposition pour nous assurer un couloir de sécurité pour chauffeurs ça. Et en accord avec certains transporteurs, nous n'entendons pas transporteurs, c'est vrai, il y a des transporteurs qui ont un chauffeur avec un camion, mais il y a des transporteurs tout qui sont des responsables des pompes de gasoline, ça nous est les stations d'essence. Et nous prenons disposition pour tout le monde à le travail. Malheureusement, jour ça, chauffeur, t'es en d'accord pour le travail, et pas de disposition, malgré la police, l'armée, nous avons assuré couloir ça pour que le camion passe. Et pour une raison que nous n'avons pas expliqué là, non seulement les chauffeurs, bon, sous prétexte, ils ont été tirés ou bien ils ont un problème quelconque, ils n'ont pas venu travailler, et nous n'avons pas de présence transporteur, même où nous connaissons une réalité. Pour le bail gaz, il faut que le personnel soit dans le terminal ça, qui est là. Qui présent pour yon ka charger camion yo. Mais dans l'époque ça, nous pas de joindre présence et bon, on nous dit chaîne ça pour qu'ils permettent
et le camion était chargé. Après tout effort, nous refaisons encore, travail avec tout, on nous dit, responsable dans la chaîne qui gagne pour distribuer le carburant. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous avons gagné des côtés actuellement, produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a nous dit en compte-goutte. Mais il y a des détournements qui fait. Nous avons des exemples. Malgré l'effort fait, nous-mêmes, nous discutons avec des responsables, on nous dit des compagnies. Nous disons qu'il y a des priorités pour question, on nous dit l'hôpital et autres, questions humanitaires. Nous discutons avec, nous disons d'accord. L'État, pour responsabilité, les louer machines, les transporteurs ont dit qu'ils ne sont pas capables, il faut avoir des garanties. Nous-mêmes, dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes. Nous avons mis contre transporteur ça, pour avec adhésion et compagnie pétrolière, pour remplir le camion ça, à charge de l'État, la primature. Et nous avons un monde qui était engagé pour te faire travail ça avec eux. Malheureusement, l'État n'allait nous remplir le camion ça. Le camion ça a supposé venir. Nous commençons à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas fait. Il y a l'autre disposition qui prend. C'est vrai, c'est en résumé, ma banane là. Pour y remplir des camions, moi, rappelez-nous, nous remplis 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans Tor, puisque pas de tellement gros problèmes dans la zone ça. Après, il y a des gens qui parlent de nous, des quantités de camions, d'époque crise ça, comité ça a fait. Malheureusement, camion ça est arrivé. Pour être allé ensuite, des informations qui viennent joindre nous, de sous sûr, par exemple, camion ça y est, qui entrait dans une station d'essence. Tout à le vendre dans la marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour y avoir à ce qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, que nous-mêmes nous rencontrons avec eux pour yo aller faire distribution hein, et qu'ils parlent dans la station avec eux, il y a bail en compte-goutte ou bien en marché noir. C'est vrai, l'État, le gouvernement prend des dispositions. Le commissaire gouvernement, il est sur les lieux, il y a des enquêtes qui ont fait pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition pour la justice, parler ou faire rôle ou jouer rôle par rapport à Mounsa. C'est ça que j'ai besoin pour nous dire. Nous avons tant de questions. Il y a des gens qui ont besoin de parler encore pour nous répondre à des questions. Je salue Bob Lapresse qui est présent là. Je dis à nous contents avec la population hein, pour bal certaines informations que peut-être qu'il pas au courant. Pour consommateurs joindre gaz dans la pompe, il y a plusieurs acteurs qui impliqués dans le processus. Il faut que le gaz arrive dans le terminal. Il faut être transporté dans la station d'essence. Ensuite, pour le disponible à consommateurs. C'est pour m'expliquer nous que il y a plusieurs acteurs qui impliqués dans le processus. Là. Il enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume responsabilité, la très difficile pour nous gagner gaz dans la pompe. Nous, au niveau de la police, étant donné que nous sommes en période de crise, nous avons un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui a pas appliqué en circonstance. Nous avons un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz dans la pompe. C'est ça qui fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour ne pas gagner un incident de parcours. Ah, pour concernant Varu, gagner un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, gaz n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sortent. Du riz sorti et sans sortir dans le circuit. Si moi sorti dans le circuit, mes carburants pas sorti. Tout simplement, je veux attirer l'attention de la population hein, que la police travaille chaque jour pour assumer responsabilité face
à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout le monde mette ensemble pour que la population, au moins, car elle en souffre. Je ne vais pas parler trop et je suis disponible pour répondre à la question qui a un rapport à la question crise carburant. Merci. Merci. Donc, nous rappelons la conférence de presse qui a gagné MAP CSPN et l'État-major Force armée d'Haïti qui a un rapport à la crise du carburant. Donc, toutes questions qu'a posées, nous souhaitons des questions qui précises, concises et qui portaient sur la crise du carburant. Donc, nous prenons quatre questions, pas plus que quatre questions. Nous ne prenons aucune question qui n'a pas un rapport à ce sujet ça que CSPN et ou état-major, force armée d'Haïti à Abdébatla. Merci. Ok, donc, il y a Amélie Baron, AFP, et ensuite La Voix de l'Amérique et Radio et Télémétropole. Trois questions. Des questions qui ont rapport à la crise du carburant. Merci. Trois questions, Amélie Baron, Voix de l'Amérique et Radio et Télémétropole. Qui? Zénith. Quatre questions. AFP, Radio et Télémétropole, Voix de l'Amérique, Radio et Télémétropole et Radio Télé Zénith. Merci. Comme nous te dit tout à l'heure, nous en période de crise, il y a un plan de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz là. À un moment donné, distribution gaz a été commencé dans terminal Tor. Nous, la police facilité plusieurs centaines de camions sortis pour aller dans la station. Vu un problème qui vient gagner au niveau Matissan, après étude de sécurité que le commandement fait, nous proposer de prioriser le terminal de Varu. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforcer et nous capables de dire que ça a marché. Il est vrai, pas de aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. Je prends comme exemple du riz qui sorti, l'huile qui sorti, le ciment qui sorti dans le terminal Varou. Donc, nous continuons à rassurer la population que la police a travaillé. Policiers déterminés pour aider la population à vaquer à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, elle ne revient pas seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces entre différents acteurs dans la vie nationale qui peut bailler une solution à son vivre. On l'autre fois encore, la police déterminée pour que l'assumer responsabilité constitutionnelle que le gagne. Merci. Et par salut nous, non pas si vous n'avez tous les mêmes termes. Nous, des jours en jour, des situations
Alors, situation et sécurité là, il n'y a pas gravé, pour que la population ne soit pas capable de vivre en occupation, mettez ce problème de carburant, ça devient un plus problème. Donc, nous allons répondre, est-ce que la police nationale d'Haïti, ou bien sûr, nous avons pas une population haïtienne dans garantie, dans 2, dans 3, dans 4 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, toute la gagne après de la vie. Merci. Oui, vous pouvez répondre à une question. Vous pouvez répondre à une question. Ok, je vais vous dire. Par rapport à la situation à détériorer, donc est-ce que nous avons une population d'État? Il y a 2 jours, 3 jours, il y a 8 jours, 15 jours. Parce que nous-mêmes, au niveau gouvernemental, là, c'est sûr que nous ne sommes pas bon. Donc, nous allons mettre, est-ce que par rapport à la mesure sécurité que nous avons adoptée, pour régulariser la situation, est-ce que nous avons une population d'État? Mmh. Nous tous connaissons que le pays a traversé une crise difficile, situation complexe. Et crise ça a affecté différents domaines, différentes activités en notre pays. Crise politique, problèmes économiques, bandits prennent la rue. Donc, son situation qui est complexe. Ajouté à tout ça, à un moment donné, policiers ont faibli. Mais, à notre arrivée, au niveau commandement, nous faisons une lecture de situation, nous entamons une série de sorties pour sensibiliser les policiers sur la responsabilité que nous avons dans le moment historique ça que le pays a traversé. Et feedback la positif. Policiers yo, yo motivés et yo prêts pour yo servir pays yo. Maintenant, pour résoudre définitivement le problème de sécurité dans le pays, il y a un ensemble de bagages que nous supposons faire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, pour nous gagner la sécurité que nous cherchons, nous supposons une approche multidimensionnelle. Faut un travail sur le social, faut un travail dans le secteur économique pour mon travail. Nous avons ensemble de travail pour nous faire. Nous, au niveau de la police nationale, nous, là, nous sommes capables de dire que nous stade dans le niveau opérationnel. Mais au niveau stratégique, nous avons conseillé les autorités politiques sur les politiques de sécurité, politique de sécurité et politique de développement à appliquer en termes de conseils. Mais pour répondre à situation actuelle que nous avons traversée, nous avons un domaine spécifique qui est distribution carburant. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous élaborons un plan et en donnant place à un protocole de distribution, nous exhortons différents acteurs pour que vous assumiez responsabilité. Chaque monde dans le domaine par eux assume responsabilité pour que Gaza calé pour jeune population. Pour une sécurité stable, pour un Haïti stable, il demande implication de tout le monde et il demande un ensemble de travail pour nous faire jeudi à demain, après-demain. Excusez-moi, la Voix de l'Amérique, excusez-moi, Radio Été des Métropoles. Troisième question et quatrième question, Zénith. Et nous n'avons pas besoin de questions à plusieurs volets. Et questions faut le porter sur la crise du carburant. Merci. Radio et Télé Métropole et enfin, Radio Télé Zénith pour nous finir. Merci. Les gendarmes connaissent quid de l'opération et qui fait ce travail-là. Qu'en est-il de cette opération? Parce que c'est vrai que nous avons parlé de mesures qui prend et à qui poser. Mais on est d'accord que par un lien de concret, que pour la population n'a rien de ce qu'on ressent de concret. Donc, déjà, premièrement, c'est quid de l'opération qui est faite là où il y a, quel résultat il y a dans les points où il y a. Et puis, deuxièmement, et pour vous, nous avons dans l'intervention, le ministre de la Justice là, et le ministre de la Défense, qui est venu à vos questions, nous avons parlé de premier stock gaz, de faire sortir, nous avons essayé et bail
à le distribuer vers les entités plus sensibles, si nous arrivons de faire ça. Je parle même de si vous parlez de banque. Aujourd'hui, nous avons une réalité à qui ça lié. La réalité, c'est que il y a des entreprises qui sont nettes, qui ont fonctionné 3 jours par semaine à des horaires très réduits, ça qui est appauvri. Une plus compliquée situation, une plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème au gaz qui vient vrai? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne dit pas à la population? Merci pour la question. Hein. C'est vrai, l'en premier temps, c'est moi qui t'ai dit qu'il y a des distributions faites à des institutions de cadre humanitaire, dont quelques banques. Là, nous te prenons disposition en tant que l'État pour nous essayer d'alimenter et certaines institutions, surtout banques à l'hôpital. Et nous, non seulement, oui, nous-mêmes, non seulement nous t'ai averti, institution SAIO, que nous avons essayé pour une quantité X de jours alimenter yo, et nous t'ai pris disposition tout pour nous faire distribution pour yo, à partir de ces camions-là, que je vous ai dit tantôt, qu'on a loué, que l'État avait loué. Camion ça yo, c'est eux même qui rempli, qui t'a supposé rempli pour nous bas institution. Ils ont commencé bas yo. Et à partir de 3 ou 4 camions, gagné des entreprises privées tout. L'État est tenu compte, surtout qui était en sous-traitance là. Nous connaissons qui gagne en moyenne 57 000 emplois, qui est capable de perdre. Nous t'es privilégié tout dans l'équipe prioritaire, nous t'es metté et gagné tout, nous t'es commencé à alimenter. Malheureusement. Pour une raison, peut-être nous-mêmes nous capables de connaître, nous capables d'expliquer. Des chauffeurs qui ont commencé à prendre gaz ça, après ont entente avec la DINASA, et ils ont dit, pour une raison ou l'autre, malgré le couloir de sécurité, la police fait, appuyé par l'armée, qu'ils ont peur. Et puis, bon, peut-être le directeur général de police est capable de dire ça. Ils ont tendance, d'ailleurs, même si nous faisons expérience ça à Varou, peut-être dans la semaine, hier encore. Gagner des bandits, nous reconnaissons ça, qui gagnent dans toute sphère, surtout Vareux, côté Napaléo, ou bien et Martissan. Mais les couloirs sécurité établis, gagnent des distances, au monde, ou bien un bandit qui a campé, ils font cartouche, ils font balle. Ça ne veut pas dire pour autant, balle, on ne peut pas empêcher, il faut nous dire clairement, la police ou bien l'armée, pas qu'à empêcher, si un policier campé là, et puis n'a passé en nous dit sous route nationale, il est entré là, quoi, puis il fait un balan là. Ou attendez, tant de bruit. Donc, chauffeur, il doit prendre ça. Pour ça, je reconnais ça, je comprends ça. Il a peur. Et puis, il dit, il est tiré, nous pas passer, nous peur, nous pas aller. On nous réalise sous ça. Et nous pas capable de dire, balle pas tirer, il a tiré par la police, il a tiré par bandit, il a tiré par moins tout. Si une politique a besoin de brouiller 4 là, je vais camper la caille et puis on va passer sur route forbe sur Delma puis me faire 4 balles en l'air. Ça pas dit ça capable d'intimider monde, me connaître le cas intimider, mais ça pas dit pour autant la police pas établi couloir sécurité nous t'a parlé. C'est vrai, opération Varou a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter pour camion yo, pour transporteur yo aller. Il y en avait une soixantaine de transporteurs qui ont répondu à l'appel. Ils nous ont confié qu'ils vont être là, là présent. Et là, hier, la personne, le journaliste qui pose des questions, hier, malgré toute disposition qu'on prend, nous avons rendez-vous dans son appui avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui étaient confiés nous, qui étaient dans nos garanties à venir. Nous avons un seul camion, malgré la réunion que tu as faite avec eux. D'accord, nous avons un qui vient. Malgré ça, nous avons rendez-vous 5 heures. Les 8h30, l'autre n'est pas venu. La police te prend disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous avons pris depuis dans son appui à le mener le Varou, un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, directeur de police, dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça.
c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, tous journalistes, nous concernés. La société est concernée. L'hôpital, les médecins, tout le monde concerné, parce que c'est un bagage qui est capable, non seulement, bon, en pile mort, je me rappelle, dans la même disposition, ça en apprend là, question humanitaire là, nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Mirebalais, peut-être, si nous t'avons quitté 11 jours, dans le camion, ça n'a pas perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gasoline, gazoil ou bien n'importe quel autre carburant, ça qui gagne. Juste pour me dire, tout le monde qui a eu Covid, tout le monde qui est malade, tout le monde dans tout secteur qui est à l'hôpital, donc ce problème nous concerne tous. Voilà. La réponse. Il y a une Monter par détail déjà sous question ça. On a toujours reprendre et demander autour pour prêter attention à ça m'a dit. Moi dit que la police selon le dispositif qu'elle mettait en place là, il y a plusieurs camions qui sortent. Tort. Vu problème qui vient au niveau Matissan, après étude que nous fait dans le domaine de sécurité avec le commandement, nous proposer pour que nous privilégions le couloir de Vareux. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vareux. Moi, je dis que le dispositif ça a un résultat parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz a pas sorti? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis. Qui facilite des produits sortis en un terminal varu. Donc, pour question.